Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver à Cannes sur le stand de Fairline pour vous présenter une première mondiale, le Fairline Phantom 65 qui vient tout juste d'être présenté. Et au début, j'avoue que j'étais sceptique, je me suis dit c'est encore un flybridge de 65 pieds classique, mais il faut avouer qu'il coche beaucoup de cases et j'ai peut-être potentiellement trouvé mon nouveau yacht préféré. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Et pour une fois, on commence par l'avant avec la proue puisqu'il y a de la musique derrière. Et regardez-moi cet espace de vie gigantesque pour un 65 pieds. On va retrouver une très grande banquette avec deux bains de soleil en premier lieu juste ici, accompagnés de leur porte-gobelet. Et ensuite une grande banquette qui fait tout le pourtour de la table pour venir s'asseoir ici et profiter tranquillement soit de votre repas, soit de la navigation. On retrouvera également des haut-parleurs, du tech au sol partout. Beaucoup d'espace pour se déplacer, que ce soit au niveau du lounge ici ou dans les passes avant. Et vraiment, c'est très volumineux pour l'instant. Sur les côtés, on va retrouver des rangements. Un grand pare-brise en une pièce. Ça, c'est le top. Pare-brise en une pièce, donc il n'y a pas de problème de visibilité, pas d'angle mort. Et en plus, on a même un toit ouvrant. Et ça, c'est top. Toit ouvrant sur un flybridge, c'est assez rare puisque ça sacrifie l'espace du flybridge. Vous allez voir que ce n'est pas le cas sur celui-ci. On continue vers l'arrière donc avec ces grandes fenêtres avec une très belle ligne qui reste toujours dans l'esprit Fairline, mais ils ont su la moderniser. Je vais vous mettre quelques images. Vous allez voir, c'est plus la même chose qu'avant tout en gardant le même ADN de Fairline. Et ça, chapeau. Bien sûr, sur le passe avant, aucun problème pour se déplacer. C'est peut-être un petit peu étroit, mais vraiment, j'exagère. On peut, il n'y a aucun problème pour se déplacer. Et on arrive donc directement sur le cockpit avec pas mal d'éléments, comme vous pouvez le voir, avec tout d'abord un grand bain de soleil à l'arrière pour 4 personnes. Une banquette ici qui donne sur cette grande table dépliante qui fait l'angle. Et vous voyez qu'une fois ici rangé, elle donne donc l'accès par bâbord. Et en même temps, ici, avec la banquette, vous profitez d'un bel espace repas. En plus de porte-gobelet intégrée, juste au milieu. Allez, on continue la visite. Et la musique est un peu moins forte. Je vais vous faire rapidement l'arrière. Avec, évidemment, la plateforme de bain hydraulique pour y disposer un tender ou un jet ski. Je vous montre rapidement le cabin crew avec un couchage 1,5. On va l'appeler comme ça, mais vous m'avez compris. Une vasque et toilette. Et je ne vois pas de douche. Et assez rare sur un flybridge, vous avez donc le cabin crew ici, le bain de soleil ici et vous avez un garage à tender en dessous que je ne peux pas ouvrir, mais il est bien présent en option. Avec en plus, si j'arrive à l'ouvrir, une banquette. J'ai pas réussi à l'ouvrir, il a l'air d'être verrouillé, mais ici vous avez un rangement. Et donc c'est vraiment la plage arrière la plus complète que j'ai vue sur un flybridge de cette dimension. Vous avez absolument tout. La plateforme hydraulique, le garage, la banquette, le rangement, le cabin crew. Et je finis avec la douche juste ici. Je n'ai jamais vu ça tout simplement. En général c'est le garage qui est sacrifié. Même le bain de soleil y est d'ailleurs. Pareil, en général, on se contente d'une banquette comme celle-ci. Donc c'est vraiment topissime. Et on va passer au flybridge. J'avais regardé cette très grande marche, très large, qui inspire vraiment confiance. Et encore une fois, rien n'est laissé au hasard ici. Malgré le toit ouvrant, on dispose d'un très grand espace de vie suffisant. Vraiment suffisant
avec donc ici une banquette en U. Le poste secondaire du capitaine avec deux écrans Garmin pour les radars et cartes. Regardez, bimini électrique. On peut le monter, le monter. Le volant en cuir, assez original. On dirait un vrai volant de voiture. Et des sièges en cuir aussi également. Et ça, je vous garantis que pour faire de longues navigations, c'est beaucoup mieux qu'une simple banquette. Et enfin, on a le deuxième espace de vie avec donc cette table dépliante et la banquette qui vient l'accompagner. Le mini bar, je l'ai ouvert avec un seul doigt, ça fait toujours plaisir. Regardez, hop. Ça, c'est génial. Moi qui galère tout le temps à les ouvrir à une main avec la caméra. Et pareil pour fermer, aucun problème. Et bien sûr, vous l'aurez vu, évier, plaque, en dessous les frigos. Et on a vraiment un excellent espace. Allez, je chipote. J'aurais peut-être vu en plus un bain de soleil. Un bain de soleil en plus, ça aurait été cool. Mais maintenant, je me demande est-ce que en option, on pourrait pas en rajouter ici, rajouter un coussin ici pour en faire un et là, on serait au max pour ce flybridge. Donc, comme vous le voyez, ça commence plutôt bien. On va passer à l'intérieur. Alors, l'intérieur, dont l'accès se fait par ces portes coulissantes qui ne prennent pas toute la largeur du bateau, mais comme vous voyez, il y a un espace suffisant pour entrer et sortir à plusieurs. Et ça donne tout de suite donc l'accès à la cuisine. Et alors, chose intéressante, ce que j'aime bien, c'est qu'en général, les cuisines qui donnent directement sur le cockpit, comme c'est le cas pour celle-ci, sont orientés vers le cockpit. En fait, vous allez avoir votre mini bar ici, donc vraiment en face du cockpit, et là ils l'ont mis orienté vers le salon. Donc en fait, ça donne un peu un double accès. Vous savez, vous êtes là, vous cuisinez ou l'équipage cuisine, vous avez besoin de servir le cockpit, vous avez donc un accès direct. Inversement, vous voulez plutôt servir le salon par exemple la nuit, et ben vous avez également un accès direct. Et donc on retrouve une cuisine en marbre avec un évier, plaque, un four, un grand frigo. Merci à celui qui l'a déjà laissé ouvert, ça m'arrange. Rangement, voilà. Des tiroirs avec d'excellentes finitions. Attendez, je l'ai mal fermé. Voilà. Vraiment, les finitions sont irréprochables. Le bois là, il est parfait. Très très joli également. Et en face, vous pouvez également servir en plus du salon. C'est ce premier espace de vie avec cette grande table dépliante en bois et la banquette qui fait le tour avec les tabourets qui sont déjà intégrés. Ça, c'est plutôt appréciable. Juste ici, une marche pour séparer, on va dire, virtuellement l'espace. Et là, on arrive sur le salon. Avec donc, vous l'aurez vu, ce grand canapé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme matière ici? Ah, c'est de la laine. C'est de la laine, les amis. C'est original. Première fois que je vois ça. J'avoue que c'est un peu bizarre visuellement. Je vais l'essayer tout de suite. C'est un peu rigide, mais plutôt confortable, il faut le reconnaître. Et visuellement, je trouve que bon, c'est un peu bizarre, mais ça ressort bien finalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, pour le coup, en commentaire. La table basse. Et juste en face, également un canapé avec la même, même revêtement. On a ici du cuir. La télé pop-up, vous l'aurez vu juste ici. Et de grandes fenêtres, bonne luminosité. Surtout ici au milieu, au niveau du salon. Le toit ouvrant, qui peut également... Enfin, on peut également juste ouvrir les stores si l'on le souhaite. Ça, c'est pratique.
on va retrouver des rangements. Qu'est-ce qu'on a là? Un chapeau, c'est pour caler des choses. Et je vous montre tout de suite le poste principal du capitaine. Très grand poste, couvert de cuir. Regardez, on a du bois aussi. Première fois que, enfin pas première fois, mais c'est assez rare, c'est assez original le bois. En général, ils mettent de la fibre de carbone. Et je trouve que ça rappelle un peu les anciens bateaux qui a été fait donc tout en bois. Quatre écrans Garmin. Donc là, on est plutôt bien équipé. Les cartes, les réservoirs, le cap, toutes les infos concernant le bateau. Allez, je vais toucher à 2-3 trucs. Là, c'est la vitesse, les alarmes, les pompes, les batteries et les lumières. Trop bien. Je ne vois pas de joystick. Ça, par contre, c'est regrettable. Allez, on est sur une motorisation 4. Okay. Allez, ici, c'est pour ouvrir le toit. Et enfin, on finit par deux sièges en cuir également. Par contre, on regrettera si on peut quand même se mettre un peu debout avec ici le repose-pied. Au sol, vous avez sûrement remarqué cette très jolie moquette. Et allez, on passe au point inférieur avec les cabines. Encore une fois, vous allez voir, disposition originale qui ne change pas grand chose au final, enfin du moins pas à première vue. On commence par la master qui est située comme d'habitude au milieu de la coque. Elle est aérée, ça fait du bien parce qu'il fait déjà chaud à Cannes, même si c'est le premier bateau que je filme aujourd'hui. Juste ici, on a la coiffeuse avec un miroir. Des fois, ils le mettent au-dessus et ils l'ont intégré. C'est plutôt cool. Le lit king size avec la tête de lit, les tables de chevet. On va retrouver du cuir, que ce soit sur les murs ou le plafond. Regardez le motif sur la porte, très sympa. Les poignées aussi, j'aime beaucoup, c'est original. Qui rappelle un peu les nouvelles courbes de Fairline, du moins de ce Phantom 65. La télé et une banquette juste ici, qui est la même que celle dans le salon. Au niveau de la luminosité naturelle, vous voyez, on dispose de grandes fenêtres. Donc, une case de cocher. Et on va passer maintenant à la salle d'eau avec juste avant le dressing. Qui est plutôt généreux. Et la salle d'eau privée. Avec la vasque, du marbre, les toilettes. Et la cabine de douche. Il dispose également d'une fenêtre. Des rangements au sol, c'est pour ça que ça craque. Et tout au-dessus. Et on retrouve également des étagères couvertes de miroirs. Voilà pour la salle d'eau. Donc, belle cabine. Classique mais efficace. Allez, on passe au reste du pont. Je regardais, en fait les aimants sont situés au-dessus comme ici pour caler les portes. On passe maintenant à la VIP cabine qui dispose d'entrée de jeu d'un accès à la salle d'eau qui est là, en fait la cabine de jour puisqu'il y a une porte juste ici pour y accéder depuis le pont. Cabine de douche, une vasque,
des toilettes, des rangements, des étagères et des miroirs. Et il y a même une fenêtre. Et enfin, la VIP cabine. Très spacieuse, très volumineuse. On a beaucoup de hauteur. On va retrouver donc un lit queen size avec une marche pour y accéder. Des petites fenêtres sur le côté, mais c'est toujours difficile en bout de coque comme ça. Le hublot. Pas mal de rangements, regardez. Ils en ont mis un maximum, j'ai l'impression. Et ici, un placard de rangement. Lampe de chevet avec les interrupteurs juste ici. Encore des rangements. Et la coiffeuse avec le miroir. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'ils ont disposé d'une boîte, mais vous l'aurez compris. La télé. Et voilà donc pour cette cabine VIP. Et enfin, on termine donc avec une cabine guest. Ah, ok. Deux lits simples. La fenêtre, la télé. On retrouvera du cuir également dans cette cabine. Ah, la cabine guest, honnêtement, c'est toujours les mêmes. Mais c'est ce qu'on demande. Franchement, on ne demande pas plus d'une cabine avec deux lits simples comme ça. En général, on la donne aux enfants. Ils sont contents, ils ont leur lit. Et ils disposent même. Alors là, c'est le comble de leur salle d'eau privée. Voilà. Donc, cabine de douche, toilette, la vasque avec du marbre, s'il vous plaît, les miroirs, la fenêtre. Ils ont tout. Donc, après, je sais pas techniquement est-ce que ça aurait été possible, mais je pense que ça aurait été plus judicieux de mettre la cabine de jour dans la cabine de guest plutôt que dans la cabine VIP, mais bon. Et je finis par vous montrer ce très bel escalier. Alors, je ne sais pas s'il est éclairé, je ne pense pas, mais on trouvera cette main courante en bois. J'aime beaucoup vraiment ce mélange moderne et ancien de la moquette. Et voilà donc pour ce Phantom 65 de chez Fairline, le chantier anglais. Une visite bien complète. Et voilà les amis, j'espère que cette visite vous a plu. Vous avez vu, je vous ai pas menti, hein, il est vraiment très complet ce Phantom 65. Franchement, il manque de rien, il y a tout. C'est un bateau vraiment idéal pour une famille, pour profiter entre amis. Vous avez le garage, le bain de soleil à l'arrière, le flybridge, très grand lounge à l'avant, de belles cabines, un bel espace de vie intérieur. Il y a tout, franchement, il y a tout. Dites-moi si j'ai oublié un truc en commentaire, mais franchement, je me demandais pourquoi il était si spécial. Le gars de chez Fairline, j'avais le choix entre le 68 Squadron et celui-ci qui est leur nouveau modèle de la gamme. Il m'a dit franchement, va voir le 65, tu vas pas être déçu. Et il avait raison. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, les amis. C'est très important pour moi, ça m'aide beaucoup. Et comme je le répète souvent, vous allez pouvoir profiter de tous les yachts que j'ai visités au Can Yachting Festival. Et n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous pensez de ce bateau, un petit like sur la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine visite. Ciao, ciao.